Des dons salvateurs qui reprennent enfin. Et les objets ne manquent pas. Le confinement est passé par là. Moi, j'attendais ça depuis longtemps. Parce que on avait fait du tri, on n'a pas moyen de les donner. Et puis, je trouve ça toujours important de donner, en fait, au lieu de jeter. On a stocké. Et pendant ces 2 mois, vous avez fait du tri? Voilà, exactement. On a rangé la maison. Nouvelles règles sanitaires obligent. Tous les dons sont stockés ici avant la mise en vente. On a changé parce qu'on doit laisser ici en 24 heures. Et après 24 heures, on fait les tri et on met tout à sa place. À l'extérieur aussi, il a fallu s'adapter. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l'entrée, sens de circulation pour éviter de se croiser. Mais ce qui compte pour les compagnons et les compagnes, c'est de voir le lieu revivre. C'est bien de parler avec les gens de dehors. Parce que rester ici beaucoup de temps, comme ça, fermé, tout, c'est pas bon. Vous êtes contente? Oui, c'est très bon. Si la communauté Emmaüs de Charente a pu survivre au confinement, c'est grâce à ses réserves de trésorerie, aujourd'hui à sec. Il était donc urgent de rouvrir. La communauté s'attend même à une augmentation de ses actions de solidarité. La crise sanitaire et la crise économique qui suivent a entraîné une crise sociale et qu'on aura grand besoin de solidarité, plus encore. Mais pour pouvoir être solidaire, encore faut-il avoir retrouvé une activité qui va nous permettre de dégager la ressource. Depuis 70 ans d'existence, les communautés Emmaüs n'ont jamais connu une situation similaire. Pour celle de Charente et de nombreux autres en France, un nouveau confinement pourrait être fatal.